Bonjour, voici la deuxième partie des autres mises en page. Donc, on va commencer par changer VBox à Tilepan. Les layouts Tilepan placent les composants dans une grille alimentée soit horizontalement par ligne de gauche à droite, soit verticalement par colonne de haut en bas. Et si nous l'exécutons, vous remarquerez que chaque cellule a reçu la même largeur. Il y a donc des écarts entre les boutons, car certains boutons ne sont pas assez larges pour occuper la largeur de leur cellule. De plus, les boutons sont centrés dans chaque cellule. Lorsque nous redimensionnerons la fenêtre, nous verrons les boutons sont emballés et déballés comme avec les Floupan. Donc finalement, maintenant nous arrivons à la dernière mise en page qui est les Stackpan. Les layouts Stackpan empilent les composants enfants les uns au-dessus des autres, dans l'ordre d'insertion. Les premiers au fond, les derniers au-dessus. Je vais copier les Tilepan et les coller en haut. Et je vais commenter les Tilepan qui est en bas. Puis changer les titres du Tilepan qui est en haut à Stackpan. Maintenant, ajoutons d'abord un bouton. Le texte du bouton est donc égal au bouton 1. Et aussi un label. Et le texte du label sera le texte des labels. Si nous les exécutons, vous pouvez voir que les boutons et les labels sont superposés. Les boutons sont en haut du label ou c'est le label qui est en haut du bouton. Alors pour voir ça, changeons l'arrière-plan de la couleur du bouton sur rouge et les labels sur vert. Mettons les labels en haut et exécutons le programme. Vous voyez maintenant que les boutons sont au-dessus du label. En fait, on ne peut pas voir les labels. Ajoutons donc un autre label après les boutons et qui va avoir comme couleur bleue, juste pour voir ce qui se passe. Je vais copier le premier label et le coller ici. Et changer sa couleur. Donc je relance le programme et maintenant nous pouvons voir que le deuxième label est maintenant au-dessus du bouton. Ainsi, l'ordre dans lequel nous ajoutons les contrôles au FXML détermina l'ordre dans lequel les contrôles sont ajoutés au stack pan. Ainsi, les premiers contrôles se retrouvera au bas des stacks et les derniers contrôles que nous ajoutons sera en haut des stacks. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi vous utiliserez la disposition StackPan car il semble créer un gâchis. Dans notre exemple, évidemment c'est vrai que c'est assez désordonné. Mais supposons que nous ayons ajouté une image du stack puis plaçons les labels au-dessus. On se retrouvera avec une image avec du texte imposé. Nous pourrions également styliser les textes afin qu'ils soient entourés d'une bordure, etc. Donc si vous êtes familier avec les calques dans Photoshop,
Pour exemple, en logiciel similaire, les concepts sont les mêmes ici. C'est donc pour cela que vous utiliserez un stack pan. C'était tout pour les mises en page. Je vous dis à la prochaine.